de rester silencieux et peut-être s'effacer sur les réseaux. Nous sommes dans l'obligation de revenir vers la trajectoire politique dont nous sommes en train de vivre actuellement au niveau du Cameroun. Il était donc important de donner une position claire de notre résistance. Donc, la base, la brigade anti-Sardina, France, doit faire son point de presse qui annonce les couleurs de la nouvelle année 2020. Donc, ce soir, comme vous le voyez, avec ce plateau bien élaboré et bien servi, dont vous n'ignorez personne d'entre nous, dont je ne ferai pas le soin de présenter, qui vont se présenter après prise de parole. Mais il était clair qu'on puisse se prononcer sur des questions qui nous paraissent très, très essentielles actuellement pour la continuité et l'avenir de notre pays. Donc ce soir, vous aurez l'honneur d'écouter le commandant en chef qui est Calibri Calibro, qui va se prononcer, et bien évidemment, les autres camarades qui vont l'accompagner aussi dans cette démarche-là. Donc, sans plus tarder, je pense que Calibri, on t'écoute. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes du Cameroun, mes chers compatriotes de la diaspora, mes chers combattants, camarades de lutte. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette invitation et d'être présent aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui ont rejoint la Révolution cette année. Je présente également mes plus sincères remerciements à l'ensemble des membres et collaborateurs de la Révolution, à l'occurrence ceux de la Basse France, Basse UK, Italie, Suisse, Canada, USA, Deutschland. Résistance à Bertha, des Amazones, et sans oublier tous ces anonymes qui nous ont soutenus. J'ai essayé, en ce jour de fête, de trouver des raisons de me réjouir, mais je n'y arrive pas. Tout me semble insurmontable et le chagrin m'envahit lorsque je pense aux familles du Nozo et du Grand Nord du Cameroun qui n'auront pas, cette année encore, la chance de pouvoir passer de joyeuses fêtes, calmes comme la plupart des Camerounais vivant au Cameroun. À toutes ces familles, à la diaspora révolutionnaire, particulièrement à la brigade anti-Sardina que je représente, nous pensons à vous et nous ne vous laisserons pas tomber. Mes chers compatriotes du Cameroun, chers combattants et camarades de lutte, il y a de cela, croisant que des dizaines d'avocats originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont manifesté à Bamenda. Ces avocats anglophones voulaient juste faire entendre leur désapprobation contre l'absence d'une version anglaise des tests indispensables à leur travail. Le régime tyrannique et dictatorial de Yaoundé leur a répondu par une répression sanglante. La suite, nous la connaissons. Comment comprendre que les membres du consortium, qui pour la plupart fédéralistes et partisans de l'État unitaire décentralisé, ont pu être arrêtés et jetés en prison, au sorti d'une réunion de dialogue avec le Premier ministre? Comment comprendre que Manche au BBC, qui ne revendiquait que l'amélioration des infrastructures routières dans son cercueil blanc, soit emprisonné encore jusqu'à ce jour pour accusation de terrorisme? Voilà donc où nous a conduit la politique stupide du régime illégal de Yaoundé qui a finalement ouvert le grand boulevard aux sécessionnistes ambazoniens. Faut-il rappeler que les étudiants et étudiantes de l'université de Bouya se sont vus imposer une pénalité arbitraire de 10 000 francs CFA, soit 20% sur leurs frais de scolarité au motif de retard de paiement. Suite à leur protestation, le régime dictatorial de Yaoundé leur a répondu par une répression sanglante et par des humiliations traumatisantes pour nos jeunes sœurs et frères du Nozo en Mondovision. La population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est sortie célébrée le 1er octobre 2017 avec des arbres de paix
comme tous les ans depuis 1961. Le régime dictatorial de M. Biya Paul leur a répondu par une répression sanglante et par l'envoi d'une armée d'occupation. Et s'en est suivi une hécatombe. Plus de 12 000 morts, une destruction de plus de 700 villages, 500 000 déplacés internes, près de 10 000 réfugiés au Nigeria, plusieurs dizaines de milliers de personnes portées disparues. Dans sa course folle, le régime dictatorial de Yaoundé a coupé Internet dans ses deux provinces rebelles, paralysant ainsi le système bancaire et coupant par la même occasion les Camerounais de la diaspora de leurs familles restées au pays en zone de guerre. Ceci a occasionné la radicalisation du peu de personnes qui croyaient encore aux institutions de Yaoundé. Puis, tel un fou allié, ce même régime dictatorial sanguinaire et illégitime de Yaoundé est allé kidnapper Ayoub Cissé-Kô Tabé et son équipe au Nigeria, en violation totale des statuts de réfugiés et les gardant dans des lieux secrets pendant des mois. Comme si cela ne suffisait pas, le régime dictatorial de Yaoundé s'en est pris au président élu, le professeur Maurice Kamto et aux membres de sa coalition, ainsi que des centaines de milliers de sympathisants du MRC. À l'issue d'une crise post-électorale, en procédant à des kidnappings, déportations, tortures, disparitions et emprisonnements dans les lieux secrets. Le vice-président du MRC, Mamadou Mota, n'a pas échappé à cette violence aveugle et demeure aujourd'hui en prison, victime d'un procès kafkaïen. Voilà donc où nous en sommes rendus aujourd'hui. Un pays ingouvernable au Nouveau, en guerre perpétuelle au Grand Nord contre Boko Haram et en conflit permanent avec les rebelles centrafricains à l'Est. 6 provinces sur 10 sont en état de guerre. Nord, Adamawa, Escrème Nord, Est et Nozo. Voilà le Cameroun du régime dictatorial, sanguinaire et illégitime de Yaoundé qui prétend vouloir organiser des élections en février prochain. Voilà le régime dictatorial de Yaoundé qui passe des commandes de vin et spiritueux à 3 millions d'euros pour une fête de 2 jours, alors qu'il a été incapable de répondre aux sinistrés de Nguatch. Encore moins aux sinistrés du crin des Eka. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes du Cameroun, chers compatriotes de la diaspora, chers combattants et camarades de lutte, les Camerounais de la diaspora se sont levés sans distinction d'origine ethnique malgré les provocations ethno-tribales des théoriciens du tribalisme qui appartent les stations de radio et télévision au Cameroun. Ils ont su dire non et apporter des réponses efficaces à chaque fois en donnant une réplique du tic au tac à chaque dérive du régime dictatorial de Yaoundé. La grande famille mondiale de la brigade anti-Sardina a pu, par ses actions musclées, 1. Discipliner M. Biya, le mauvais vieux de 86 ans qui n'arrête pas de dilapider l'argent du contribuable camerounais dans des hôtels 5 étoiles. 2. Discipliner les ambassadeurs du Cameroun dans les capitales occidentales qui recevaient nos compatriotes de la diaspora avec dédain comme des sous-hommes. 3. Mener des actions de pression pour la libération des prisonniers politiques. 4. Mener des actions de lobbying pour faire entendre la voix des sans-voix victimes de la tyrannie du régime dictatorial de Yaoundé. 5. La grande famille mondiale de la brigade anti-Sardina a réussi à mener des actions coup de poing et une diplomatie de couloir pour contrecarrer toutes les actions de lobbying du régime tyrannique de Yaoundé, visant à tenter de soigner son image de marque dans des grandes capitales occidentales. En terminant, la grande famille mondiale de la brigade anti-Sardina entend continuer son combat pour les droits de l'homme, la justice, l'équité et la prospérité de tous les Camerounais en toute collaboration avec les forces qui œuvrent dans ce sens sans jamais prêter allégeance à quelque organisation ou parti politique que ce soit. Mes chers compatriotes, la diaspora résistante, mes chers compatriotes combattants, mes chers camarades de lutte,
Il est interdit à tout membre de la brigade anti-Sardina et à tout membre de la diaspora de demander pardon à ce régime dictatorial et despotique de Yaoundé. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et 2020 doit être une année décisive pour nous. Merci. Merci, merci pour ce discours. Je pense que le temps est donné pour l'année 2020, comme vous l'aviez écouté, dans le chantier de la base, qui s'annonce un chantier vraiment rude, qui est pour nous de décider exactement qu'il faut en finir avec ce régime démocraticide de Yaoundé. Alors, nous demandons... Ok, pour les orientations, on va continuer. Max ? Oui. Ok, 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 ok. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir chers tous. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? Ok, voilà, j'étais de disant que bonsoir à tout le monde et bonsoir chers tous. Vous savez, c'est la technologie, on a parfois des petits soucis au niveau technique, mais c'est bon. Alors, mes chers frères Camerounais, nous voici devant vous en cette fin d'année 2019, une année qui a été mouvementée par les chassements à gauche et à droite. Le grand-père Sardina ne savait plus là où il va mettre ses pieds. Comment est-ce qu'il va faire pour déposer sa tête sur un oreiller? Et c'était ça l'objectif de la révolution. Et nous sommes sur la lancée même, n'est-ce pas, de ce combat. J'ai envie de dire quelque chose aujourd'hui. De trop simple. La nouvelle année est en train de commencer avec un événement à venir. Et c'est cet événement-là qui m'intéresse le plus particulièrement. La réception, n'est-ce pas, de celui qui a été élu le 7 octobre 2018, son Excellence le Président Maurice Kamto. J'exhorte tous mes frères Camerounais, tous les combattants de par le monde, à parler de cet événement autour d'eux. J'exhorte tous ceux qui peuvent se déplacer sur Paris le 1er février 2020 pour rendre cet événement l'événement du siècle. Le genre de mobilisation que même depuis l'histoire, on n'avait pas encore réfléchi à écrire ça quelque part. Parce qu'il faut que les gens voient que les Camerounais ne sont pas cons. Que les Camerounais ne peuvent pas vivre pendant 38 ans dans la misère, dans la pauvreté et aller encore voter pour un vampire. Comme le grand-père Sardina qui est là-bas, couché et tout dit, ne veut pas quitter. Il faut rendre cet événement viral. Tout le monde doit participer à cet événement. Nous ne devons parler que de cet événement pendant tout le mois à venir, tous les jours à venir. Nous ne devons parler que de ça. Ne vous occupez pas de ce que le camp d'en face fait. Ne vous occupez pas de ce que le camp d'en face dit. Restons focus sur l'événement à venir parce que cet événement-là est crucial. La réussite de cet événement-là est cruciale pour la suite de ce combat. Parce que quand le monde entier va voir qu'effectivement le peuple a choisi son président, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mes chers frères Camerounais, je n'ai pas beaucoup à dire. Vous savez que moi, je n'aime pas les discours structurés. Moi, je donne toujours les coups de gueule et je passe sur ça. Alors, si j'ai un message, n'est-ce pas, à passer à la satrapie de Yaoundé, c'est que, pardon, partez pendant qu'il est encore temps. Parce que si vous ne partez pas maintenant, vous allez partir d'une autre façon, par un autre moyen. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont prêtes à se mettre devant vous le moment venu. Continuez de rester là-bas, à Yaoundé. Vous croyez que vous êtes les rois du monde. Un jour, nous allons vous surprendre. Merci. Un jour, nous allons vous surprendre. Fils de planteur, tu es tellement sollicité qu'on ne peut pas te refuser le micro ce soir. Bien le bonsoir à tous les internautes, bien le bonsoir à tout le monde. En ce début de fête de fin d'année, nous n'allons pas trop parler parce que le commandant a tout dit. Il a touché toutes les couches sociales du Cameroun qui sont menacées. Et nous savons très bien notre devoir et nous savons ce que nous avons à faire.
Comme le disait le président Paul Kagame, face à une dictature, on a trois versions. Soit on joue à la résignation, soit on se lève comme un seul homme pour essayer de se battre, soit on tord le fer avec le fer. Nous avons choisi tordre le fer avec le fer. Le régime de Yaoundé est un régime barbare, voyou. Et face à un régime barbare et voyou, on applique la méthode barbare et voyou. Raison pour laquelle la basse a utilisé cette notion d'équilibre de la terreur. Et l'équilibre de la terreur ici représente le rapport de force que nous imposons automatiquement à la révolution de M. Biya. Parce que M. Biya, dans son élan fou, veut à tout prix révolutionner le pouvoir politique au Cameroun afin de le rendre en monarchie. Nous ne voulons pas cela. Et nous mettons ici en garde Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, que sa manœuvre politique-politicienne de la France-Afrique de Jacques Foccart, elle est vieille et ses pères fondateurs sont décédés. L'unique héritier qui est Robert Bougie, il a désisté. Et je pense que le Cameroun ne sera pas la chasse gardée de la France, encore moins de la vieille dictature française. La colonie n'existe plus. C'est une honte pour la France. Une France des droits de l'homme qui, dans son élan du capitalisme absolu, n'hésite pas à assassiner nos frères parce qu'ils veulent soutenir des satrapes, des dictatures vieillissantes au profit des économistes, entre parenthèses, je dirais des grandes entreprises françaises. Chaque peuple a le devoir moral de garder sa dignité. Et un homme digne, c'est celui qui mange à la sueur de son front. Je pense qu'il est temps que la France mange à la sueur de son front. La dignité du peuple camerounais, elle ne sera plus bafouée. Même si des personnes comme Ojula vont recommander des uns et des autres, nous disons non. Et au nom du peuple camerounais, nous demandons et nous souhaitons politiser la classe ouvrière et la classe paysanne camerounaise pour rendre la lutte populaire. Oui, l'histoire politique ne sera plus l'histoire d'une caste de personnes choisies dans le népotisme appelé Enam, car les noms qui y résonnent sont des noms connus en avance. Nous allons faire de la politique populaire, soulever les classes ouvrières au sommet de l'État afin de balayer ces vieilles dictatures hors de notre nation. La patrie ou la mort, le peuple camerounais vaincra. Seule la mort peut changer le destin d'un révolutionnaire. Merci. Vous avez écouté le super révolutionnaire fils de planteur, avec son ton bien augmenté. Dré, on t'écoute. La base pour 2020 va se restructurer et 2019 nous a permis de voir quelles étaient nos forces et quelles étaient nos faiblesses. Nous avons constaté cela et nous avons décidé pour 2020 de balayer ce qui n'a pas été et d'accentuer, de mettre l'accent sur ce qui a été. Donc il faut que les gens s'attendent, que les Camerounais s'attendent à ce que 2020 puisse être placé sous le signe de l'efficacité. C'est-à-dire que toutes les choses qui étaient améliorées, nous les mettons de côté et nous allons nous acharner à être beaucoup plus efficaces. Et donc, les actions que nous allons mener auront d'autant plus d'impact. Donc, j'aimerais dire aux Camerounais que s'il y a eu parfois des déconcentrations ou parfois certains bavardages inutiles, il n'en aura plus pour 2020. Nous avons compris certaines leçons. Et si nous étions concentrés l'année dernière, nous le serons d'autant plus cette année avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup moins de perte de temps et une focalisation recentrée. Donc nous sommes d'autant plus motivés et au-delà même du 1er février où nous attendons tous les Camerounais, nous savons que d'autres actions seront à prévoir sur le reste de l'année et que ces actions-là seront menées avec efficacité, brio et surtout un sérieux pour que ce combat puisse trouver une issue favorable. Et il trouvera une issue favorable. Je vous remercie. Nombreux sont ceux qui, à l'intérieur de la base, sont appelés à certaines responsabilités. Donc nous appelons chaque personne à être présent sur les postes qui seront les leurs et chaque Camerounais à se tenir prêt, non seulement le 1er février, mais sur tout le reste des actions qui seront à mener. Et j'en profite aussi pour encourager les gens à s'inscrire sur le formulaire pour la cellule terrain.
Je vous remercie. La patrie, la mort, nous vaincrons. Merci, Audrey. Comme tu l'as si bien dit, l'année 2020 doit être une année où on se concentre notamment sur le combat pour la libération du Cameroun. Nous avions fait du mal au peuple camerounais qui nous attendait à être plus concentré par rapport à ce combat. Mais vous aviez vu sur la toile que certains qui sont revendiqués, en fait, qui se revendiquaient d'être ceux aussi qui vont être dans cette démarche pour la libération du Cameroun, ont pris pour cible les combattants. Alors nous leur disons encore une fois de plus, la meilleure cible, c'est cette cible de Yaoundé qui tient en captivité plus de 27 millions de Camerounais. Qu'il est plus important de concentrer toutes nos énergies pour la libération du peuple camerounais et de cesser d'embêter ceux qui travaillent nuit et jour pour la libération de ce peuple. Les ragots, les médisances ne pourront pas servir à cette libération. Le monde entier nous regarde. L'Afrique croit en nous, compte sur nous. Alors, ne nous laissons pas disperser. Alors, ceux qui sont épris de changement et de justice, je vous appelle à identifier les personnes sérieuses, les mouvements sérieux, qui se déploient chaque jour pour la libération du Cameroun, afin que vous efforciez à les aider, tant sur le plan moral, tant sur le plan financier et autres, pour que ensemble nous mettons justement des jalons qui vont nous permettre de libérer. Maintenant, au-delà de ce qui est évoqué, nous n'allons pas déployer la stratégie, mais je puis vous rassurer qu'aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas en train de voir les gens qui sont derrière nous, mais il y a une multitude qui ont répondu présent ce jour, parce que nous sommes en science de travail par rapport aux objectifs de 2020. 2020 doit être une année où finalement le peuple camerounais se lèvera comme un seul homme pour en finir avec cette dictature qui donne de mots à ce peuple. Comment après 37 ans, les Camerounais se constituent comme des aventuriers dans leur pays, comme des clandestins qui ne peuvent plus oser parler, rien dire, sont effrayés par la répression démocraticide de M. Biya. Il faut que ça cesse. Et nous interpellons les autorités françaises. Il y a un temps pour enseigner, et il y a un temps pour celui qu'on a enseigné de mettre en pratique ce qu'il a appris. Nous avons la pédagogique historique. Sur le plan militaire, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique et social, c'est aberrant de savoir que la politique au niveau du Cameroun doit être pensée à l'Élysée. Les Camerounais veulent mettre une politique qui leur permettra justement de subvenir à leurs propres besoins. On ne doit pas penser la politique du Cameroun dans n'importe quelle chancellerie, en l'occurrence celle de la France. Nous disons, étant épris d'un véritable changement, nous refusons le mécanisme de la France-Afrique qui nous oblige, lorsqu'il y a dévotion de pouvoir dans nos contrées, d'imposer à la tête du Cameroun certains suppôts supplétifs qui n'ont jamais regard au peuple. Ça doit finir, car notre révolution n'est pas seulement une révolution pour la libération du Cameroun, mais tous les peuples épris du véritable changement, parce qu'il y a un véritable décalage entre les peuples et les politiques, et il faut que ça cesse. Et la France doit repenser sa coopération. Plus vous nous imposez des dictateurs qui sont illégitimes, qui ne sont pas reconnus des peuples, plus vous êtes en train de créer le fossé, et les peuples sont en train de prendre aujourd'hui, sont informés que le malheur de l'Afrique, c'est que la France décide de mettre des gens illégitimes dans le but de tuer leur espoir. Et nous retenons dans l'histoire que non seulement la libération de nos pays passera par un nettoyage systématique de ceux qui nous gèrent, mais aussi nous allons résoudre le contentieux historique avec les politiques françaises qui ne veulent pas nous laisser nous exprimer. Nous leur disons qu'il s'agit aujourd'hui d'un combat qui nous amène à restaurer notre dignité. Nous ne voulons pas vous embarrasser dans vos contrées, parce que la patrie, finalement, c'est la terre de nos pères, celle qui nous est chère, et nous voulons y retourner pour bâtir et construire nos pays qui regorgent finalement des richesses incroyables. Je te passe la parole. Mes chers frères camerounais, c'est avec beaucoup d'émotion que je reprends encore la parole. À toutes les personnes que nous avons pu blesser durant cette année 2019, nous vous demandons pardon si nous vous avons offensé d'une manière ou d'une autre. À toutes les personnes qui sont épris du changement au Cameroun,
qui ne pensent que Cameroun et qui ne pensent qu'au peuple camerounais, la brigade anti-Sardina vous tend la main. Si, et seulement si, le peuple camerounais, la souffrance des Camerounais, le martyre des Camerounais est ce que vous portez de plus cher dans votre âme et dans votre cœur, alors nous vous tendons la main. Qu'ensemble nous bâtissons le Cameroun que nous voulons demain. Ne soyons pas juste unis parce qu'on veut recevoir le professeur Maurice Kamto. Soyons unis parce qu'on veut bâtir et construire un Cameroun nouveau avec des personnes qui ne sont pas séniles, qui ne sont pas vénales, mais des personnes qui ont des convictions. Et la conviction qui doit animer chacun d'entre vous, c'est le peuple camerounais. C'est la libération de notre pays. À la France, cher Emmanuel Macron, la dictature appelle à la désobéissance. La dictature appelle à la rébellion. Seule la démocratie ferme la porte à la désobéissance et à la rébellion. Monsieur Macron, vous ne pouvez pas continuer. Et la France, l'oligarchie française ne peut pas continuer, n'est-ce pas, d'apporter du crédit aux dictateurs africains. Non. Nous allons nous déployer. Nous allons nous déployer pour cette année 2020 et montrer aux yeux du monde que la France est complice de tout le génocide qui est en train de se passer au Cameroun. L'Afrique se meurt à cause de la France. Nous voulons que la France libère notre pays. Et nous voulons nous-mêmes, en tant que citoyens camerounais, gérer notre pays. Mes frères camerounais, nous avons un événement important et essentiel à organiser, M. Stéphane, le 1er juin, le 1er février 2020. Le président élu de la République du Cameroun, son Excellence M. Maurice Kamto, n'appartient plus à sa chapelle politique, mais il appartient à tous les Camerounais. Vous, nos mamans, vous, nos papas, avec vos enfants, avec nos petits frères, j'ai vu des personnes handicapées, des personnes malades se lever pendant un an et demi. Il est temps que nous nous associons, que nous taisons nos égos et que nous réussissons cet événement qui doit être un événement planétaire. Mes frères, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et pour finir, je dirais tout simplement que le Cameroun doit être notre locomotive. Si tel n'est pas le cas, de grâce, en 2020, nous ne voulons plus répéter les erreurs de 2019. Si tel n'est pas votre cas, si tel n'est pas le cas d'un combattant, qui nous laisse avancer et libérer le Cameroun. Et après, il pourra venir chercher ce qu'il veut chercher au Cameroun. Mais de grâce, laissez-nous libérer notre pays. Merci. Me voici qui revient. Je reviens cette fois-ci pour passer un message vraiment très clair. Mes chers frères combattants, pour la libération du Cameroun, du jour de la dictature satrapique tyrannique du grand père Sardina, je n'aime plus prononcer son nom, il m'énerve. Je vous demande humblement ici de vous concentrer sur le combat, car ce combat, ce n'est pas la Starmania. On n'entre pas dans une révolution, dans ce genre de combat pour s'amuser. Ce n'est pas pour rigoler. Quand on entre dans ce genre de combat, on montre nos visages comme ça là. Ce n'est pas pour rigoler, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour savoir qui est plus combattant que qui. On combat pour que nos enfants ne vivent plus ce que nous avons vécu. On combat par conviction et non par suivisme. On combat par conviction. Alors, ce message s'adresse encore à mes très chers frères combattants. Concentrons-nous sur le combat. Concentrons-nous sur le combat. Arrêtons avec la distraction et la diversion. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'objectif final. Notre objectif, nous, qui sommes réunis aujourd'hui, c'est le chassement de Paul Biya. Et je pense que ça doit aussi être l'objectif de tous les autres combattants. Alors si l'objectif de tous les autres combattants, bien évidemment, est le même que
que le nôtre. Eh bien, concentrons-nous sur Paul Biya. C'est lui qui gère le Cameroun depuis 38 ans. Ce n'est pas un autre combattant. C'est exactement ce que nous sommes en train de reprocher au Sardinard aujourd'hui, qui s'acharne sur le président élu. Pourtant, le président élu n'a pas dirigé le Cameroun. Mais ils sont en train de s'acharner sur lui comme si c'est lui qui avait transformé le Cameroun en boîte à sardines comme on voit aujourd'hui. Alors, comment est-ce que des combattants sérieux peuvent s'acharner sur d'autres combattants? Pourtant, ils ont un objectif, c'est quelqu'un qui a fait 38 ans, un tyran, un dictateur, qui est capable de tuer tout le monde pour rester au pouvoir. Que celui qui pense qu'il est trop fort, qu'il aille aussi un pas à Yaoundé, il va voir que si moi aussi je pars à Yaoundé, on va nous accueillir de la même manière. Parce que devant Paul Biya, nous sommes tous égaux. C'est-à-dire, si Paul Biya attrape un de nous, il va nous finir sans réfléchir. Alors, avant de poser des actes, avant de se comporter d'une certaine manière, avant de verser dans le dilatoire, réfléchissons un temps soit peu. Ceci dit, il faudrait que l'année 2020 commence avec un nouveau souffle. Il n'y a plus de temps pour les diversions. Nous devons finaliser ce que nous avons commencé depuis 2018, là, nous devons finaliser ça en 2020, quels que soient les moyens que nous allons mettre en œuvre. Quels que soient les moyens, nous sommes prêts. Ça, c'était mon message. Merci beaucoup. Mes chers frères Camerounais, vous spécialement de la diaspora, vous les binationaux, si vous avez en pensée et en cœur la souffrance des Camerounais, je vais vous dire que vous, je m'adresse aux Français, Camerounais français, vous avez une arme. Et cette arme-là, c'est votre droit de vote. Vous savez, les accords, les alliances entre Macron et Paul Biya, Biff Bondo, alias Satan. Vous connaissez ces alliances-là. Alors vous devez sanctionner le parti de Macron. Nous lançons à partir d'aujourd'hui le boycott de Macron en mars 2020. Nous lançons à partir d'aujourd'hui, pour vous les Camerounais de la diaspora française, le boycott, monsieur Stéphane, des élections municipales en France. Et nous allons nous déployer partout sur le terrain pour dire que Macron ne passera pas. C'est aussi une arme, le droit de vote. Ta carte de vote est égal à ton fusil. Parce que quand tu dégaines cette carte de vote, tu donnes le droit à quelqu'un de passer ou de ne pas passer. 2020, c'est dans quelques jours. Je sais que pour vous, ce serait très difficile de passer les fêtes en pensant au Cameroun qui croupit dans la misère, au Cameroun qui quotidiennement dégringole et tombe dans l'abîme. Permettez-moi de vous souhaiter néanmoins une très bonne année 2020, de vous souhaiter encore beaucoup plus de courage. Permettez-moi de faire cette inclusion dans vos familles et dans vos cœurs et vous demander de penser aux Camerounais parce que eux, ils n'ont pas eu la chance que nous avons d'être de ce côté. Pensez à ces Camerounais qui ne peuvent pas se faire soigner. Pensez à ces Camerounaises qui sont enfermées dans nos hôpitaux parce qu'elles vont donner naissance. Pensez à ces Camerounais. Il y a encore quelques jours, nous avons pu voir sur Equinox qui n'ont pas de kit de dialyse. Pensons à ces milliers de Camerounais qui n'auront pas la chance de voir 2020. Et sachez que vous pouvez faire quelque chose. Alors, le tribalisme en 2020 ne doit pas passer par nous. Vive la République du Cameroun. Vive le Cameroun fédéral et uni. Vive notre pays. Je vous demande, à nous, et je nous demande de nous lever et de chanter l'hymne national du Cameroun. Merci. Au Cameroun, des enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour en
il te voit toujours. Cher Patrie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie.